l'éternel, la première pierre de l'institut des sciences et des risques. Donc là, il y avait préfet, sous-préfet, préfet de région, député, etc. Donc, nous y sommes allés nous montrer avec nos t-shirts, et puis, certains d'entre nous ont réussi à rentrer. Et donc, je passe la parole à Marité, qui a participé un peu à cette réunion. En effet, nous avons réussi à contourner la porte d'entrée qui nous était fermée et de façon assez discrète, mais en tout cas visible, sans se cacher, je dirais, nous sommes rentrés pour aller écouter les discours qui étaient en train de se prononcer. À la fin du discours, la personne, l'hôtesse qui invitait les gens à prendre la parole a bien sûr invité également les personnalités présentes, préfet de région, préfet du Gard, sous-préfet, député maire, président de région, conseiller général et toutes ces personnes-là, à aller passer aux travaux manuels, à savoir aller mettre la première pierre. Donc il y avait à ce moment-là à peu près une dizaine de mètres vides que toutes ces personnalités avaient à traverser. Bon, moi j'étais, mes collègues m'avaient abandonné, je me retrouvais seule, mais déterminée à essayer de pouvoir rencontrer quelqu'un. Je pensais particulièrement au sous-préfet. Or, lorsque le préfet du Gard est passé, nos regards se sont croisés, et aussi sauf que cela puisse paraître, j'ai senti une certaine bienveillance. Je me suis donc avancée devant tout le monde au milieu de. Et je lui ai demandé s'il acceptait de m'écouter quelques minutes. Eh bien, je dois vous dire, mesdames et messieurs, que j'ai été extrêmement surprise par l'attention qu'il m'a accordée. J'ai eu tout loisir de lui dire, après m'être présentée, non mandatée, mais tant pis, j'ai dit vice-présidente de la DISL, notre président était malade et il ne m'en veut pas, je le sais, et j'ai eu tout loisir de dire nos difficultés, de rappeler les conclusion du commissaire enquêteur, lui dire qu'il nous paraissait impossible que ces conclusions ne soient pas respectées. Alors, la réponse du préfet a été la suivante. Madame, je connais mal encore le dossier de Salène. Mais vous devez savoir, madame, que c'est la DRIR, Direction régionale de la recherche industrielle et de l'environnement, qui est chargé de m'éclairer sur le projet. Oui, on le sait, puisque cette fameuse ouvrière du Gard a déjà donné un avis favorable à la réalisation du projet. Je dis oui, monsieur le préfet, oui. Mais il me dit, madame, aujourd'hui même, ici est présent le directeur régional de la DRIR, c'est-à-dire le super grand patron, je vais vous le présenter. Tout le bien, vous êtes toujours plus. J'ai eu l'honneur de vous présenter à ce fameux directeur et je dirais, pour montrer l'intérêt que je crois avoir senti sincère dans la conduite de notre préfet du Gard, il a pris la peine, il me dit, madame, suivez-moi. J'ai donc suivi, effectivement, il y avait encore un espace à traverser. Pendant ce temps, monsieur le maire d'Alès, les autres préfets, regardez sa scène. J'ai traversé, j'ai suivi le préfet et il m'a dit attendez-moi là. Donc j'étais au milieu et il est allé lui-même dans la foule des invités qui étaient nombreuses. Il est allé lui-même chercher la personne dont il est question, à savoir le directeur régional de la DRIR. Et ce monsieur, puisque le préfet le sollicitait, est venu, donc il m'a présenté sans omettre ni mon nom, ni ma qualité, entre guillemets, de vice-présidente, alors que je lui avais dit une fois, je trouvais ça assez exceptionnel, et il a dit exactement ceci. Monsieur le directeur, je souhaite que vous écoutiez Madame Boyer avec attention et intérêt. Je dois que